Bonjour, jeune maître du portail. Je t'attendais. Je suis Éon, ton guide dans ce monde. Mais tu dois te demander où tu es. Tu es au Skyland, monde de merveilles et de mystères. Depuis des générations, les maîtres du portail et les Skylanders maintiennent la paix et l'harmonie du monde, assurant la prospérité de tous. La magie est en toute chose ici, dans chaque pierre, chaque arbre, chaque animal. Mais notre monde est en grand danger. Les ténèbres se répandent. Les Skylands ont besoin de toi. Une grande aventure t'attend, jeune maître. Mon assistant Hugo va te rejoindre. Nous reparlerons ensemble bientôt. Oh, regarde partir ces ballons. On n'aura aucun mal à se faire une place. Ils ne s'en vont pas, ils évacuent. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, ça explique les rochers volants. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Continue, Flynn, par le haut. Je te retrouve de l'autre côté de la ville. Très bien. Bonne chance, Hugo. Éon a dit que l'aide était en route et d'attendre ici. D'abord, le cœur explose, puis j'entends des voix et maintenant j'attends sur la route d'une tornade en folie. Je n'ai plus toute ma tête. C'est l'heure, maître du portail. Ouah, j'y crois pas. Spyro ! Maître Éon a dit que tu serais là, qu'il avait trouvé un nouveau maître du portail. Je n'en doutais pas, bien sûr, mais... Te voilà. Mais j'oublie la politesse. Je suis Hugo, et j'ai beaucoup à te dire. Allons-y, ce village a besoin d'aide. Voilà ! M'appelle Flynn. Hugo m'a dit de t'attendre. Tu arrives juste à temps. Je sais ce qui fait trembler cette île. Viens, je vais te montrer. Tu vois cette tornade? C'est du lourd! Mais j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est... Oh! Justesse. Bon, tu pars devant. Je fais le tour et je te retrouve là-bas tout à l'heure. Ah, la tornade! Attends! Par le genou de Hobson, le palais royal Mabou a disparu et... Oh non, regarde! La famille royale est piégée! Tu dois la sauver! Tu as réussi! Grâce à toi, tous les villageois ont évacué à temps. Ce n'est que le commencement. Il paraît que les Skylands sont submergés par les catastrophes. Et il y en aura une de plus si on ne file pas. Cette tornade est juste au-dessus de nous. Oh, en effet, faut se mettre à l'abri. Je vais tout expliquer en route. Thank you.
les Skylands ont toujours été protégés par les êtres les plus sages et les plus puissants. Les maîtres du portail. Et Maître Aeon a été le plus grand d'entre eux. Les Skylanders et lui ont protégé le cœur de lumière. Depuis des siècles, le cœur de lumière a permis au monde de prospérer en gardant les ténèbres, la force du mal à distance. Mais Aeon était le dernier des maîtres du portail. Affaibli par l'âge, il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les ténèbres ne reviennent. Mais Maître Aeon, ces nuages, c'est mauvais signe. As-tu jamais vu des nuages noirs, inquiétants et sombres qui soient de bon augure, Hugo? Va à ton poste, Hugo. Skylander, les ténèbres approchent. Préparez-vous au combat. C'est moi, Chaos. Longtemps j'ai attendu le jour où je prendrai ma revanche. Vous serez bientôt tous à genoux devant moi. Chaos. Chaos. J'aurais dû m'en douter. Et qu'est-il arrivé à ta tête? Elle est ridicule. Quoi? Hé! Ma tête est formidable, vraiment! Craignez-la! Craignez tous ma tête flottante! Voyez, j'avais bien dit que la tête ne faisait pas assez peur. Silence, Glumshanks! Tu me gâches ma mauvaise humeur! Il suffit! Vous pensiez m'avoir banni dans les Outlaws! Quoi, Chaos? Je suis de retour pour détruire le cœur de lumière et régner en empereur sur les Skylands. Et tu es si vieux et si faible, que tu ne peux rien y faire! Je te l'ai déjà dit, Chaos! Ni toi ni les ténèbres n'avaient de pouvoir ici! Ah, vraiment? C'est ce que nous verrons. Skylander! Perdons. On pourrait peut-être passer au plan B. Non, Glumshanks, j'ai une bien meilleure idée. Lancez le plan Z. Ses meilleurs protecteurs. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Alors que les Skylanders étaient attirés de plus en plus loin de la base des Skylanders, ils commençaient à petisser jusqu'à parvenir sur ton monde, attendant que tu les retrouves. Et Maître Aeon, il a survécu à l'explosion, mais a été changé. Il est devenu un esprit. Mais désincarné, il ne pouvait pas combattre Chaos et les ténèbres. Mais maintenant, nous t'avons, jeune maître du portail. Grâce au portail, on est revenu en un seul morceau.
Tu vois, comme le cœur de lumière a été détruit, les Skylands sont en danger. Je suis sûre que cette tornade n'est pas un accident. C'est Chaos qui est derrière tout ça. Chaos. Oh, je déteste ce type. Si tu t'en prends à Chaos, tu peux compter sur moi. Content de l'entendre, Flynn. Kali veut aider également. Kali? Oh, j'ai entendu parler d'elle. C'était intéressant. Si elle en est, tu peux me compter dans tes rangs. Deux fois. Splendide! Quand il sera temps, va avec Flynn au pâturage périlleux. Je vais préparer le décollage du ballon. Et si tu rapportes encore un de ces moutons, je ne te le pardonnerai jamais! Je suis sûr que Kali sera enchantée de me rencontrer. On ne peut pas lui en vouloir. Alors, prêt à y aller, grand Sky machin? Ouais, cette Kali me mangera dans la main dans la minute. Et qui peut lui en vouloir? Regarde-moi! Boum! Tu as vu comment j'ai fait ça? Il faut des années d'entraînement et du talent! Incroyable, hein? Tu me remercieras plus tard.